Ma bien-aimée Emmaline, mon amour pour toi est si grand que je ne peux vivre sans. Te souviens-tu de notre rencontre au mois d'août, le plus beau jour de ma vie, sans nul doute. Tu étais assise à la terrasse d'un café, le regard plongé dans tes pensées. Tu levas la tête, persuadée que je te dévisageais. Peut-être avais-tu raison, mon cœur en ce jour trouva sa maison. Lorsque ton regard croisa le mien, je vis ton visage illuminer ton teint, et ce sourire que tes lèvres décrochèrent me charma à en tomber par terre. Je n'ai pas pour habitude d'aborder les femmes, mais je ne pus ignorer cette flamme. Alors, d'un courage bégayant d'appréhension, je m'assis à ta table pour engager la conversation. Après 3 mois seulement, tu t'installas dans mon appartement. Notre entourage n'était point consentant, mais notre amour était plus fort que leur mécontentement. J'essayais tant bien que mal de les rassurer, prônant mon besoin de vivre à tes côtés. Près de toi, je suis un homme meilleur. À notre porte, attendait le bonheur. Mais peut-être avait-il raison de se méfier. À peine installé, tu te pris à changer. Ma tendre bien-aimée, comment te faire part de mes craintes sans te blesser? Quelquefois, je ne te reconnais plus. Tu te comportes de façon incongrue. Une seconde douce, puis la suivante colérique. Ton humeur chancelle telle une valse arythmique. Mon amour, je suis une artiste. Il est normal que mon esprit vacille. N'est-ce pas ainsi que tu m'eusses choisi? Est-ce vraiment l'objet de ces agitations? Ou me caches-tu la nature de ce poison? Pourquoi, ma bien-aimée, refuses-tu d'en parler? N'ai-je pas le droit à la vérité? Tu es mon tout, ma vie. Dis-moi pourquoi ton cœur est meurtri. Ton bien-aimé, Lysandre. Hey! Bien bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un spill build. Alors, j'ai rénové cet appartement à San Myshuno, là où vivent Lysandre et Emmaline. J'ai décidé de faire une cuisine ouverte sur le salon avec un petit coin salle à manger avec les couleurs rouge et noir que j'aime beaucoup, je trouve ça classe. Comme vous l'avez remarqué, il y a une petite salle de sport parce que Lysandre est un athlète, il a gagné quelques trophées comme vous pouvez le voir. Et Emmaline, quant à elle, est une artiste. Elle adore peindre, jouer du piano et du violon. Lysandre et Emmaline ont emménagé ensemble 3 mois après leur rencontre, trop tôt, parce que aujourd'hui tout ne va plus si bien. Lysandre se rend compte qu'il ne connaît pas tout à fait Emmaline et que son comportement est inquiétant. Dans une prochaine vidéo, je travaille sur un machinima où vous aurez la version d'Emmaline sur son comportement. En ce moment, je travaille très dur sur le dernier épisode de Merci Papa. La vidéo de la semaine prochaine sera l'épisode 7 du Covid Challenge. Et en attendant, je travaille sur le machinima et sur le dernier épisode de Merci Papa. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le petit poème que j'ai écrit. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout. À la semaine prochaine. C'était Alivi pour vous servir. Standing here, all flushed with spirit.